a mis de la masse et du collagène, j'ai décidé de faire quelques explications parce que j'en ai marre qu'on se foute de la gueule et de la mienne. Parce que quand je dis ça, à propos du collagène, donc j'ai reçu un truc. Normalement, c'est un site respectable et qui a des bons suppléments, mais là, je reçois les 10 aliments les plus riches en collagène. Alors, le top 10, il commence avec le moins, mais qu'en a beaucoup, donc la spiruline. Le collagène se trouve majoritairement, ben non, se trouve exclusivement dans les produits d'origine animale. Heureusement, la spiruline sauve la mise des végétariens. Alors évidemment, les végétariens ont le droit de te foutre de leur gueule, mais il y a des limites quand même. Bien connue pour sa richesse en protéines, cette micro-algue se distingue par sa teneur en glycine, un acide aminé qui compose le collagène. Alors après, il y en a dans les produits laitiers, on en reparlera, dans le saumon. Fumée de poisson, les œufs. Alors, justement, on va tout expliquer par les œufs. Le collagène siège à l'état naturel dans le blanc d'œuf. Et dans, alors, c'est ce que j'avais expliqué, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Il y en a dans les membranes. Alors, dans les membranes de coquilles. Mais aussi dans le jaune. Alors, donc, on va traiter de ça parce que c'est là qu'on comprend les ailes de poulet, le bœuf, la gélatine. L'os à moelle, le bouillon d'os. Donc, est-ce que dans la spiruline, il y a vraiment du collagène? Et est-ce que dans les œufs, il y a vraiment du collagène? On va s'interroger. Alors, pourquoi ils disent qu'il y a du collagène dans ces trucs-là? Alors, j'ai cherché l'étude sur laquelle ils font référence. Donc, ils ont regardé le contenu en collagène. Alors, après, ça dépend comment tu définis collagène. Eux le définissent assez simplement et un peu bêtement, j'allais dire. Mais après, tout dépend de. Alors, ils disent, si tu as dans tes acides aminés, si tu as de l'analine, de la glycine et de la proline, ah, c'est que c'est du collagène. Donc, c'est une définition un peu à la con parce que tu vas en trouver partout. Donc, en fait, toutes les protéines sont des protéines de collagène. Ce qui fait la différence, alors pour moi, ce qui fait la différence entre du collagène et c'est justement pas ces trucs-là. Et après, évidemment, c'est pas parce que t'en trouves que la dose va être, là tu vois, par milligramme. Alors après, ils le donnent par œuf, c'est plus simple. Mais bon, alors en fait, les gens considèrent que s'il y a ces trois acides aminés, donc je te les répète, alanine, glycine, proline. C'est du collagène. Boum, allez hop. Donc, effectivement, du collagène, t'en trouves partout avec cette définition-là. Déjà, t'es choqué. Je sais que t'es choqué parce que tu sais très bien que la proline, c'est pas un acide aminé. Donc, il devrait pas être dans le. Il devrait pas être là-dedans. Mais on va regarder. Et alors, évidemment, ils ont cherché de l'hydroxyproline, ce qui est beaucoup plus intéressant. Mais comme j'ai dit, il y a des membranes. Il y a des membranes, par exemple, entre le jaune. Et le blanc, il y a des membranes, donc évidemment, avec les détections très fines, tu arrives à détecter de l'hydroxyproline, mais c'est plus qu'anecdotique. Et donc, tu vois, tu as la quantité de ce qu'ils appellent collagène, alors dans un œuf. Alors, dans un œuf naturel, tu vois, en gros, c'est 500 microgrammes. Je ne peux pas me tromper. 500 microgrammes de collagène, et là ils en trouvent 4000 ou disons les 5000 microgrammes de collagène. Alors, upper, non, c'est non. Alors, converted, upper collagène, non, c'est là, tu vois. Donc, c'est en microgrammes par œuf. Hein. Donc, tu vas pas aller loin. Donc, le total en collagène dans un œuf normal, parce qu'ils ont essayé de le booster, mais. De passer de 624 milligrammes par œuf à 709 milligrammes, je suis pas sûr que ce soit. Donc, tu vois, t'as même pas un gramme de précurseur de collagène, appelons ça comme ça parce que c'est un peu plus exact, par œuf. Bon, évidemment, ça dépend de la taille de ton œuf, mais. Même si c'est 1 gramme de précurseur de collagène par œuf, dire que l'œuf contient du collagène, c'est. Alors là,
pour référence, je t'ai mis le... Je t'ai trouvé le... l'aminogramme moyen du collagène. Alors c'est skin, celui-là c'est skin, là c'est du tendon. Et puis là, bone, c'est de... Mais bon, ça varie un peu, mais bone, c'est de l'os, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, tu vois, ils mettent... donc, pour 100 grammes, tu as 5 grammes d'hydroxyproline. Là, tu as 8 grammes, là, tu as 10 grammes. Ce qui est des acides aminés nettement plus intéressants que ceux qui... j'avais calculé... Enfin, j'ai regardé pour la spiruline. Attention, accroche-toi, bonhomme. Alors, pour 100 grammes de spiruline, tu as à peu près 60 grammes de protéines. Et dans ces 60 grammes, tu as 3 grammes de glycine. Donc, tu vois, glycine, on va le chercher là. Glycine, là, tu as 21 grammes. Et là, pour la spiruline, 100 grammes. Ça veut dire que si ton cacheton de spiruline, il fait 1 gramme, ce qui est déjà beaucoup, tu as quand même 30 mg de glycine. Ah, attention! Attention à l'overdose, 30 mg de glycine, bonhomme. T'as presque 5 mg d'alanine et 2 grammes un peu plus de proline. Donc attention, attention, n'en abuse pas, hein, tu vois, et là, t'as 13 grammes pour 100 grammes. Alors que dans la spiruline, t'en as 2, de la proline, t'en as 2 grammes. Pour 100 grammes, donc tu vois que c'est pas du tout le même profil en acide aminé. Je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule de dire que parce que on trouve ces trois acides aminés, donc c'est du collagène. Ah, c'est du collagène. Alors, donc, on va regarder par exemple. Là, j'ai trouvé un truc de whey, une whey, tu vois, isola hydroxy avec des trucs. C'est du collagène. Ah, c'est pas de la whey, c'est du collagène. Hein. Alors, on va regarder les trois qu'on nous a dit. Glycine, tu vois, 2 grammes. Alanine, 4 grammes. Et proline, 5. Donc, tu vois, la spiruline, c'est beaucoup plus du collagène que de la whey. Sauf que, évidemment, de la whey, t'en prends un tout petit peu plus que de la spiruline. Mais... je trouve que les temps modernes sont quand même pas terribles. Et donc, quand on te parle d'un aliment en collagène, bon, soit c'est du collagène, soit c'est du foutage de gueule, quoi. Parce que c'est pas parce que tu vas trouver un tout petit peu de ces précurseurs que c'est du collagène. Et en plus, les trois acides aminés qui retiennent, dont un n'est pas un acide aminé, c'est un aminoacide. Tu chercheras la définition et tu nous expliqueras la différence entre les deux. Mais sache que la proline n'est pas un acide aminé. Je trouve que c'est vraiment du foutage de gueule de dire que c'est du collagène. Parce qu'il y a ces trois acides aminés que tu trouves à peu près partout. Dans tous les aliments, donc attention aux marques qui se foutent de toi, quoi.